Hello, hello les amis, et bienvenue sur ma chaîne Sandra Kirigami Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter un nouveau modèle de Kirigami, comme vous l'aurez deviné, sur le thème d'Halloween. Donc voilà notre petite sorcière sur son balai qui va venir nous faire découvrir une belle citrouille à l'intérieur. Donc c'est une image que j'ai récupérée sur internet, que j'ai monté en kirigami, donc modèle à 90 degrés, et j'ai rajouté donc l'inscription en dessus, de manière à personnaliser un petit peu plus le modèle. Donc c'est un modèle qui peut être fait par des personnes qui débutent le kirigami, notamment pour l'image. On va dire que là, la partie ici est un peu plus technique parce qu'elle est plus minutieuse. Mais vous n'êtes pas obligé de la réaliser, vous pouvez très bien en fait faire des découpes soit à la perforatrice ou avec des dies afin de pouvoir venir accoler des lettres dessus, donc soit à ce niveau-là, soit en dessous, afin de pouvoir laisser un joli petit message pour cette occasion. Vous pouvez retrouver le modèle directement sur mon blog, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est un modèle qui est gratuit, bien entendu. Donc vous allez la réaliser sur l'envers, de manière à ce qu'une fois que vous aurez mis en forme, vous l'obtiendrez dans le bon sens, donc sur la partie en droit, comme ceci. Voilà, donc là pour cette carte-ci, donc je vous invite déjà à commencer par les plus petites parties qui sont là. Ensuite les plus grosses, ici. Si vous souhaitez faire l'écriture, bien entendu, on commence sur la partie la plus fine, de manière à arriver sur la partie la plus large. En dernier recours, bien entendu, vous faites aussi tout le contour ici, j'allais l'oublier là. Vous ne découpez pas les traits pointillés, uniquement les traits pleins. Ensuite, vous terminerez donc par faire la découpe extérieure ici. Et en dernier cas, vous viendrez faire les petites pliures, donc à l'aide du stylet ou du plioir, comme vous voulez. Et après, vous n'aurez plus qu'à mettre en forme le modèle. Voilà, donc ben écoutez, vous retrouvez toutes les informations en dessous de la vidéo, le lien vers le modèle gratuit. Donc n'hésitez pas, hein, c'est un modèle qui est pas très compliqué, qui est facile à réaliser et à personnaliser de manière à bien débuter ou simplement pour faire une petite carte rapidement si on n'a pas trop le temps d'y consacrer du temps. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, de partager le lien vers les modèles gratuits, n'hésitez pas. C'est surtout, faites un petit like, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera toujours plaisir et ça m'incitera à vous faire d'autres petites vidéos de ce style. Et bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Kirigami. Ciao, bye bye!